Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va sauter en direction de Crazy Groove. Et vous savez quoi, aujourd'hui je vais me faire frapper en fonction de la couleur d'arme que je prends. Donc si par exemple je prends une arme grise, une arme verte, une arme bleue, etc., les coups seront de plus en plus forts. Mais attention, ce n'est pas tout dans cette game, parce que dans cette game, à chaque kill que je ferai, je pourrai découvrir un petit peu le visage de ma nouvelle copine. Et c'est aujourd'hui, je dis bien c'est aujourd'hui, que vous allez découvrir qui est cette copine, qui est la star qui à l'heure actuelle m'aide au jour le jour. D'ailleurs, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo, aussi commenter et me suivre sur les réseaux sociaux, c'est d'une importance capitale. Et d'ailleurs si vous le faites, mais vous voyez ce sac d'argent que j'ai dans mon dos à l'heure actuelle, eh bien ce sera tout simplement le vôtre. Bon, par contre, du coup j'ai pris un abonné qui est niveau 215. Donc à mon avis je vais tomber sur des mecs qui sont extrêmement forts, voire des dieux, hein, des dieux vivants tout simplement. Donc j'espère que ça va bien se passer, parce que bon, niveau 215 c'est quand même pas mal, hein. Je parle pas trop fort aussi parce que j'ai les gens ici qui dorment, hein. Donc bon voilà, on peut pas faire trop de bruit à l'heure actuelle malheureusement. Ok les amis, c'est en train de se battre juste en bas. Attendez, il est où? Il est où? C'est en train de se battre au dessus sur l'abonné. Ok c'est bon, l'abonné a fait un kill. Donc là j'ai déjà pris une arme bleue et une arme grise. Me frappe pas tout de suite petit bonhomme. Mais ça va aller de vouloir me frapper comme ça. J'ai juste attendre de faire quelques kills et après on pourra faire ça tranquillement. Ouh, là-bas il y a un ennemi. Oh allez, mais j'ai envie de les tuer. Mais le problème c'est que j'ai... Oh, c'est bon, j'ai les tué. Ok, un mort. Moins 20. Ok. Ok c'est bon, l'autre il est mort, ça s'est fait aussi. Oh, ça m'énerve de pas pouvoir parler trop fort, c'est en train de me déstabiliser de ouf. Ok, là déjà 2 kills, donc on va pouvoir baisser 2 fois. Mais c'est pas fini, on va d'abord terminer. Bon alors lui il était vraiment très très nul. Juste un bridou, en plus il s'appelait, c'était un petit français, donc lui il est mortadelle aussi. Est-ce qu'il reste encore des ennemis dans cette ville ou pas? Genre là j'ai une arme verte, une arme bleue, une arme grise. Donc c'est quoi, ça l'ennemi ça? Oh non, c'est juste un énorme tacos. D'ailleurs, si toi aussi t'aimes les tacos, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. D'ailleurs, la personne qui est juste ici, elle adore. Bon, ça par contre, j'adore beaucoup moins ça. Je viens de me prendre une balle, comme j'en suis très rarement prise. Alors, il est où? Je sais pas du tout. Ok, les amis, là, je suis en train de me battre. C'est vraiment très compliqué. Le combat qui est à l'heure actuelle, c'est contre un purée de John Wick. J'allais dire un gros mot, mais je suis carrément pas autorisé à dire des gros mots. Donc attends, ça je prends, tac 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 tac. Poisson thermique, je le prends aussi. Bah attends, mais il est carrément fou ce type à vouloir me tuer là. Attends, mais on va aller chercher de plus près. Attends, mais il est où? Ok, il est là, hein. À l'heure actuelle, il est là. Ok, c'est bon, j'ai réussi à me grappiner. Je crois qu'il est en dessous, hein. Oh, il est là. Oh non. Non. Ok c'est bon, allez lui il est mort. Et franchement c'était vraiment un mec très très fort, on va pas se mentir là dessus Hop, en plus il était super bien armé, il nous met super bien. Et le mec était genre super fort. Ok c'est bon, lui aussi il est mort. Et ça commence à faire beaucoup de kills, hein. Mais là ça devient vraiment compliqué. J'entends encore des gens qui sont en train d'arriver. Oulala, je suis en train de partir. C'est vraiment un carnage. Ce qui est en train de se passer est un carnage totalis. Ok les amis, du coup ici on va se donner rendez-vous pour les coups. Donc ici il y a un gris, un vert et 3 bleus. Donc commence par le gris. Allez c'est parti. Ok, oh le gris c'est un petit bisou sur le bras. Du coup le vert. Le vert c'est quoi? Aïe, aïe, mais tu frappes fort hein. Ok bon, 3 bleus maintenant, mais... Oh non, là, aïe, aïe. Et ça c'est des vraies patates, mais t'es malade ou quoi? Mais t'es vraiment malade. Par contre j'ai 5 kills. Du coup pour les 5 kills, les 2 premiers, je vais retirer tes lunettes de soleil. Genre les lunettes de soleil, je les retire. Genre j'espère que je te fais pas mal. Donc là on a déjà retiré les lunettes de soleil. Et du coup on va faire pour 3 kills donc 1, 2, 3. Voilà, donc là vous en voyez déjà un peu plus. Genre sur la tête il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà découvert qui c'était, ou qui l'ont peut-être déjà dit dans les commentaires. Donc là franchement je me demande, vous êtes en train de vous demander qui c'est? Moi je vous le dis, vous la connaissez très très bien. Et quand vous allez la voir vous allez être tellement content. Vous attendez ça depuis très longtemps. Enfin vous attendez cette star en fait parce que vous ne savez pas qui c'est. Mais je peux vous assurer que vous l'attendez depuis un très long moment. Ok les amis, il y a un ennemi qui est juste là, on va aller s'en occuper. Oh, il a pas l'air mauvais, il a pas l'air mauvais. Oula, et il est en train carrément de me casser la gueule, hein. Il est en train carrément de me casser le museau. Mais attendez, et il est fou quoi? Il est où, il est où? Je le vois pas. Oh non, il y a aucun qui est en train de se battre contre lui. Oh non, aucun, il faut que tu survives. Bon, c'est pas grave, moi je vais m'enfuir parce que aucun... ouais, voilà, aucun est mort. Franchement, c'est mal joué de sa part, je sais pas pourquoi il a voulu y aller tout seul. En plus, il y a la zone qui est en train de nous poursuivre super méchamment, donc je vais clairement m'enfuir. Ok les amis, il y a carrément un ennemi sur nous. Attends, je sais pas du tout où il est. Je l'ai entendu, hein.
Vous l'avez entendu, enfin vous le voyez en fait sur le radar à l'heure actuelle. Il est autour de nous mais je sais pas du tout où il est, il est là. Bam, allez ça c'est bon, c'est fait, ce n'est plus à faire. C'est lui avec qui il est en plus notre ennemi. Donc j'ai pas pris de nouvelle arme, donc on va pouvoir ouvrir un petit peu plus. Donc on va découvrir le nez. Donc là vous en savez de plus en plus. Là je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont découvert du coup qui c'était. Mais ce n'est pas encore fini. On a encore quelques kills à faire et encore quelques armes à prendre. Donc vous allez bien sûr découvrir de plus en plus qui c'est. Personnellement moi je vais vous demander de faire quelque chose dans les commentaires. Je veux que vous disiez genre maintenant qui c'est. Alors ceux qui ont raison mais franchement vous aurez un bon point. Et ceux qui ont pas raison mais clairement vous êtes pas bon hein. On va pas se mentir là dessus. Donc je pense que Y'a un mec derrière moi. Ok. Ils sont plusieurs. Je vais mourir, c'est sûr. Bon, c'est pas grave, je suis mort. Bon, c'est quelque chose, c'est des choses qui arrivent très souvent. Bon, c'est pas grave. Bon, malheureusement, j'aurai pas le temps de refaire ma vidéo. Et puis, ben voilà, il y a des gens qui dorment, etc. Donc, je pourrais clairement pas faire la vidéo. Donc, on va vous montrer directement quelle est la personne, du coup, qui est avec moi. Ça m'énerve de ne pas pouvoir faire la vidéo correctement. Mais c'est clairement parce que j'ai pas le temps. Et tant pis, c'est un petit peu bâclé, c'est vrai. Mais on n'a pas le choix. Donc, c'est parti. On va le faire petit à petit. Donc, 1, 2, 3. 4, là, on a la bouche, vas-y, tu sais quoi, monte tes cheveux, retire tout, retire la totale. Et puis, regardez, regardez, c'est tout simplement le retour de Tara, la loutre. Ok les mecs, je voulais juste faire une petite annexe, entre guillemets, parce que, ben voilà, je devais vous parler de quelque chose, parce que c'est une vidéo un peu spéciale, parce que c'est une vidéo un peu remise de couple, etc., faite au dernier moment, voilà, je savais pas trop quand vous montrer Tara, etc., donc voilà, sachez qu'à l'heure actuelle, ben, tout va bien. Normalement c'est plus censé séparer. Voilà comme vous le savez dans la vie. Mais il y a des gens qui sont qui séparent puis qui se remettent ensemble et qui se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû se séparer, etc. De toute façon c'est des phases de la vie par laquelle on est obligé de passer. Et que par vous, enfin que vous aussi vous passerez par ce genre de phase. Donc ici ça va beaucoup mieux. Et sachez que si vous êtes encore amoureux de votre ex ou quoi, n'hésitez pas à lui envoyer un message là tout de suite. Parce que peut-être que c'est la femme de votre vie, mais vous n'osez pas faire le premier pas. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est faites-le. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais si ça peut être bon ou pas. Sur ce, moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous kiffe, je vous love. Dis bonjour à la caméra, tu peux dire bonjour à la caméra. Voilà donc c'est... Oula. Comme vous avez pu le voir, elle est beaucoup moins belle qu'avant. Mais bon c'est pas grave, on fait avec. Elle est très vieille, elle a pris de l'âge. Quoi ? T'as vu l'heure ? Ben oui, oui, c'est vrai qu'il est tard. Mais voilà, elle a pris un peu d'âge, elle a pris quelques années. Mais voilà, et vous avez vu, on a le même serpent maintenant. Regardez. On a le même serpent. Donc ça va être le retour des vidéos tous ensemble. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. On va faire des choses plutôt pas mal par la suite, vous allez voir. Donc moi personnellement, je vais pas vous mentir, je vous kiffe, je vous love et je vous fais plein de bisous. Toi tu leur dis quoi? Oh un petit bisou. Moi je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Tchou.